Montre-toi, gamine. Ça fait une heure que je t'ai senti. Relax, on n'est pas obligé d'être violent, il y a sûrement d'autres moyens de... Arrête ! Stop ! Arrête ça, tu veux. Tu sais très bien que je vais cicatriser. Tu veux pas m'écouter ? Ok. Bordel, tu veux me faire crever du tétanos? Tu m'as pas laissé en placer une? Bien joué, je crois que tu m'as vidé de mon sang. Je crois que t'as un blème avec moi. La ferme! T'es fini et moi aussi! Tu peux me tuer. Vas-y! On est des armes! Il faut nous arrêter, nous détruire! Tu peux me tuer, mais pas toi. Quoi? Moi, je te laisserai pas foutre ta vie en l'air. Vas-y! On doit mourir tous les deux. Moi, oui, mais pas toi. Tu pouvais rien y faire. T'as pas choisi cette vie. Je dois mourir. Ça suffit. Regarde-moi. Ta mère m'a envoyé une copie de la lettre qu'elle t'a écrite. Je sais tout ce qui s'est passé. C'est pas ta faute. Ma mère, ils m'ont forcé à la tuer. Je sais, Laura. Sarah m'avait envoyé une copie de la lettre juste au cas où. Mais le temps que j'intervienne, vous aviez disparu. Personne ne devrait avoir à vivre ce que t'as vécu, surtout pas un enfant. Et maintenant, t'as un choix à faire. La lettre de Sarah est dans la poche intérieure de ma veste. Tu sais ce que ces connards du centre voulaient pour toi. Maintenant, à toi de trouver ce que voulait ta mère. Ça va pas être facile et ça va prendre du temps de recoller les morceaux. Mais je connais ce gars-là, à l'Institut Le Chauve à Roulette. Lui pourra t'aider comme il m'a aidé. Ils vont quand même venir me chercher à l'Institut. T'inquiète pas pour ça, gamine. Ils peuvent essayer, ils vont être reçus. Hélicoptère. Ils m'ont trouvé. Ouais, je les vois. Ils sont deux. Ça, c'est pas les gars du centre. C'est pire. C'est les gentils. Faut pas rester là. Laura, cours! Cours! Gah!